Un épisode plein de lumière et de couleurs aujourd'hui, on va parler du vitrail. Ici, à l'église Saint-Hélier. Et ensuite, on va aller chez Amandine, qui est une artiste qui travaille le vitrail. Place à la couleur et à la lumière. Yes. Saint-Pierre, il est là. Père, celui-ci. Tu t'en sors avec la tablette? Non. Non? T'as perdu le truc? Je crois que j'ai fait bugger le machin. Ah. Salut Amandine. Salut Amandine. On est devant le panneau de Saint-Hélier, justement, c'est le Saint-Patron de l'église de Beauceville. Ouais. Le vitrail de Décorchemont. François Décorchemont, c'est lui qui a créé les panneaux de l'église, c'est ça. Il a mixé sa technique particulière de pâte de verre et la technique de dalle de verre, accrochée entre eux avec du ciment et pas avec du plomb comme moi je le fais. C'est unique en fait. Ouais, c'est une technique qu'il a mis au point lui-même. C'est dangereux de marcher le nez en l'air, attends. Ah oui, d'accord, donc ça c'est ce que t'expliquais. À l'intérieur, ici on voit vraiment bien que c'est du ciment. Est-ce que tu nous emmènerais dans ton atelier pour nous faire découvrir ta technique à toi? Volontiers. On te suit. C'est parti. C'est parti. C'est parti. En fait, tu plantes là, c'est ça? Ouais, dans chaque gorge du plomb, on va venir s'insérer un morceau de verre de chaque côté. L'avantage du plomb, c'est justement qu'on donne la forme. Oui, génial. Ah oui, Wonder Woman, là, tu sais. Allez, musclore. Tu crées aussi tes propres œuvres. Ouais, tout à fait. C'est la palette de vitrail. Ouais. On commence en dessin. De là, je vais en tracer mon tel. Ça, c'est les pièces pour celui-là. Ouais, ouais. Okay. On a le gabarit pour la pièce du personnage. Il est sublime, ouais. Celui-là. Donc, il ira au Louvre quand même. Ouais. Qu'est-ce que t'as eu? Un cadeau? Non.